ça. Alors, nous revoilà en live. La connexion nous a lâchés tout à l'heure. C'est pas grave, hein? Ce sont les défauts de la technologie, donc on va faire avec. On va faire avec. Je vais réinviter les personnes à nous suivre. Alors, qui est là? Connexion nous a encore lâché, mais c'est pas grave. Alors, c'est ça le défaut de la technologie, hein. C'est ça aussi. Il faut s'attendre à ça et puis faire avec. C'est ça en fait. La connexion, ça nous a encore lâché. En fait, moi, je suis en Chine et en Chine, on utilise un VPN pour se connecter à Google, Facebook et YouTube, les trucs comme ça. Donc, parfois, le VPN s'arrête, parfois, le VPN, ça se coupe et puis, tu n'as plus accès aux réseaux sociaux comme Facebook, par exemple. Donc, j'étais en live là et puis, ça s'est arrêté. Donc, j'ai dû relancer le VPN plusieurs fois, plusieurs fois. Donc, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Ok, voilà, c'est bon. D'accord, ça marche. Donc, on était au niveau où il fallait avoir un désir ardent pour pouvoir réaliser ce qui est important pour nous. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, vous voyez que concernant le premier cas du chef des armées qui a demandé qu'on brûle le bateau, ils étaient obligés de gagner. Le deuxième cas, c'est celui de Monsieur Edwin qui voulait travailler avec Thomas Edison. Thomas Edison, c'est celui qui a inventé la lampe là. Il voulait tellement travailler avec lui, son désir était ardent et il a réalisé son objectif. Lorsqu'on dit brûler son bateau, ça veut dire ne laisser aucune possibilité de retour. Brûler son bateau veut dire ne laisser aucune possibilité de retour. Les Américains disent, you gotta burn that bridge. Soit brûler son bateau ou brûler le pont. Bridge, c'est le pont. Bateau, c'est le boat. You gotta burn that boat. Bridge, something like that, oui. Donc, brûler son bateau veut dire ne laisser aucune chance de retour. Lorsque tu es dans une relation, par exemple, et que tu constates que ça ne donne pas, et que tu veux prendre tes distances, prends la décision et prends tes distances. Et lorsque tu prends les distances, ne laisse aucune trace qui pourra encore te faire faiblir après et retourner dans cette relation toxique. Tu dois brûler le bateau, tu dois brûler le pont, brûler tout ce qu'il y a entre vous. Si vraiment ton désir, c'est ne plus croiser le chemin de cette personne-là dans cette condition-là, tu dois brûler le bateau. C'est la même chose que tu dois faire lorsque tu veux réaliser un objectif. Tu dois briser toutes les fausses croyances qui t'empêchent de réaliser ton objectif. Tu dois briser toutes les fausses les faux comportements qui t'empêchent de réaliser ton objectif, comme le manque de discipline, le manque d'organisation, le manque de clarté dans tes objectifs. Tu dois brûler toutes ces choses-là et te retrouver dans une position où tu n'as pas de choix que d'atteindre ton objectif. Et tenez-vous tranquille, lorsque tu parviens à arriver à ce niveau-là, lorsque tu atteins ton objectif, tu as envie d'en faire plus. Tu as envie d'en faire plus. Je vais prendre un exemple tout simple.
J'ai eu l'intention le 15 avril d'écrire un livre que je vais donner, un free e-book que je vais offrir à l'occasion de mon anniversaire. Je suis une personne hyper occupée. Tenez-vous tranquille. Actuellement, il est minuit 30 chez moi. Et je suis encore debout en train de faire un live, en train de partager ce que je sais, en train de causer avec vous. Et je suis rentrée, ça ne fait pas encore 3 heures de temps. Donc, imaginez-vous, j'ai eu combien de temps pour préparer tout ça. Vous vous demandez comment est-ce que je fais et tout. C'est que tu te trouves dans une position où tu n'as pas de choix que de faire ce que tu as le désir de faire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour revenir au livre dont je parlais tout à l'heure, le 15 avril, ou bien avant, je crois que c'était le 10 avril, j'ai dit, bon, voilà. Je pense que, ça c'est ma philosophie à moi, je pense que il faut pas toujours attendre que les autres te donnent, surtout en ce qui concerne ton anniversaire. Je fais partie de ces personnes qui pensent que le jour de ton anniversaire, c'est toi qui dois offrir. Alors je me suis dit, cette année, qu'est-ce que je vais offrir pour mon anniversaire? J'ai essayé de regarder, d'analyser, je me suis dit, bon voilà, je vais écrire un livre parce que j'aime bien écrire. Je vais écrire un livre. Et j'ai pris cette décision-là. J'avais ce désir-là qui brûlait en moi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rendu public ce désir-là. J'ai rendu public mon objectif. J'ai rendu public mon intention. Pourquoi est-ce que j'ai rendu public mon intention? C'était une façon pour moi de brûler mon bateau. Ça veut dire que lorsque je rends public mon objectif, je n'ai pas de choix que de réaliser cet objectif-là. Sinon, après, pourquoi est-ce que tu es leader? Vous voyez? Et lorsque j'ai fait ça, du coup, je mets dans ma tête que j'ai rendu mon objectif public et je dois mettre un plan d'action pour pouvoir réaliser ça. Tenez-vous tranquille, j'ai fini d'écrire ce livre. J'ai fini d'écrire. Ce livre est terminé. Dans 3 jours, ou bien dans une semaine, il sera sur mon site internet où les gens pourront télécharger cela gratuitement. Comment est-ce que j'ai pu y arriver? Je me suis donné la permission et je me suis fait violence. Que même si je rentre à 21 h, même si il est 22 h, j'écris soit un paragraphe, soit une page en fonction de mon inspiration. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai brûlé mon bateau, j'ai laissé la fatigue derrière, j'ai laissé les excuses, j'ai laissé toutes ces choses que je pouvais utiliser comme excuses pour ne pas écrire ce livre. Vous comprenez à quel point le désir joue un rôle très important dans l'accomplissement de vos objectifs. Mon objectif était clair, écrire le livre. OK. Qu'est-ce que je vais donner en retour pour voir ce livre écrit? De mon temps, de ma discipline, de ma créativité. C'est ce que je donne en retour. Et comment est-ce que je parviens à le faire? Mais j'agis, je passe à l'action. Je brûle mon bateau, je brûle mon pont. Je brûle tout ce qui va me permettre d'aller en arrière. De dire que, bon, voilà, je ne peux pas, bon, c'est trop, je n'ai pas assez de temps pour écrire le livre, mon anniversaire, c'est en début mai, je n'aurai pas assez de temps pour écrire un contenu percutant et tout. Non, il n'y a pas d'excuse. Lorsque tu te donnes déjà cet objectif-là, tu brûles ton bateau, tu bats toute possibilité de faire un chemin retour. C'est juste un simple exemple. Et des cas comme ça, j'en vis tous les jours. Je me fais violence, c'est-à-dire que je brûle des bateaux tous les jours. C'est une façon de dire. Je brûle des bateaux tous les jours. Et lorsque j'ai lu le livre de Napoléon Hill, Think and Grow Rich, ça a transformé ma vie. C'est un livre que je ne peux pas dire que j'ai fini de lire. C'est un livre que j'apprends tout le temps. C'est un livre que j'apprends tout le temps. Donc,
Si vous n'avez pas encore lu Think and Grow Rich, I highly recommend this book. Vous devez aller lire ce livre. Il va vous parler du désir. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vais vous donner ici les 6 étapes que Napoléon Hill nous propose afin d'obtenir ce que nous voulons, afin d'obtenir le résultat que nous voulons. Le premier, c'est, il demande de se fixer un objectif précis. L'objectif que tu désires. La première chose, fixe-toi un objectif précis. La deuxième chose, c'est que détermine ce que tu vas donner en retour. La troisième chose, c'est évalue la limite pour atteindre cet objectif-là. En combien de temps est-ce que tu comptes le faire? Moi, par exemple, dans le cadre de mon livre, je me suis dit, bon, ça allait me prendre 2 semaines et demie ou 3 semaines, mais je l'ai écrit en moins de 2 semaines. J'ai écrit ce livre en moins de 2 semaines. Mais je sais que je suis dans le timing, en fait. Je suis dans le timing. Tu dois être capable de te faire violence à ce niveau-là. Et après avoir déterminé le temps, tu dois mettre sur pied un plan d'action et commencer même si tu n'es pas prête. J'avais l'idée d'écrire le livre, mais je ne savais pas encore, je ne savais pas vraiment de quoi est-ce que j'allais parler. Mais dès que j'ai pris mon stylo, dès que j'ai ouvert ma machine, ça a commencé à couler. Ça veut dire que tu dois commencer. J'entends souvent les gens me dire, si je n'ai pas assez de motivation, je ne parviens pas à faire telle chose. Tu n'as pas besoin de motivation pour faire quoi que ce soit. Commence et la motivation va suivre. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque quelqu'un m'aborde, il me pose un problème, qui veut travailler avec moi, la question que je lui demande, peut-être si c'est dans le cadre des objectifs, je lui demande, quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux donner en retour? Et quand est-ce que tu peux commencer? La meilleure réponse est de commencer maintenant. Dès que tu as l'idée, mets un plan d'action et commence, même si tu n'es pas prêt. C'est Napoléon Hill qui nous dit ça. Tu n'as pas besoin d'être prêt. La quatrième chose ou la cinquième chose que tu dois faire, c'est d'écrire, on appelle ça comment en français, un statement. Quelque chose qui va te permettre de dire que, ok, je veux réaliser telle chose, voici ce que je vais donner en retour et je le réaliserai en tel nombre de temps et ainsi de suite. Et il nous conseille de lire ce texte-là que nous avons écrit nous-mêmes chaque matin et chaque soir. Ça te permet d'être connecté à tes objectifs. Lorsque tu lis tes objectifs le soir avant de dormir, ça permet que dans la nuit, ton cerveau reste connecté à ce que tu veux réaliser. Ça te permet de visualiser, ça te permet déjà de te voir dans la posture de la personne qui a déjà réalisé ce que tu veux réaliser. Lorsque tu te lèves le matin et que tu revises tes objectifs, que tu révises ce que tu aimerais accomplir, que tu te vois dans la posture de la personne qui a déjà atteint l'objectif que tu souhaites atteindre, ça permet que dans la journée, tu ne sois pas dispersé à faire tout et n'importe quoi. Ça permet que tu restes connecté à tes objectifs. Ça permet que dans la journée, même si il t'arrive d'être distrait, ton cerveau, ton subconscient va te ramener à ton objectif. Va te dire que en fait, tu devrais être en train de faire telle ou telle chose. Lorsque tu parviens à comprendre ceci, je vous assure que tu réalises tout ce que tu veux réaliser. Et je dis toujours aux gens, rien n'est impossible. Tout est possible. Je ne vois pas pourquoi on devrait se mettre des limites dans la tête. Je ne pouvais jamais imaginer que j'allais écrire un livre en moins de 2 semaines. Je ne pouvais jamais imaginer cela. Mais je l'ai fait. Et lorsque je l'ai fait, je dis, waouh, si j'ai pu écrire ce livre en tel nombre de temps, ça veut dire que je peux faire plus de choses en tel nombre de temps. Les personnes qui réussissent, toutes ces personnes que nous admirons aujourd'hui, Anthony Robbins, Oprah Winfrey, toutes ces personnes qui ont réussi, là, sont des personnes qui ont lu Think and Grow Rich et qui ont appliqué, qui ont une certaine discipline dans leurs activités quotidiennes.
Si tu n'as pas de discipline, tu n'as pas de résultat. Tu dois être capable de comprendre ça. On a toujours cette envie de dire qu'on attend que l'État va nous donner du travail. On attend que l'État va faire telle chose pour nous. Mais détrompez-vous. Ils ont mieux à faire. Ils ont d'autres choses à faire. L'État ne peut pas trouver le boulot à tout le monde. C'est à toi de te former. Il y a ce qu'on appelle l'autodidacte. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour apprendre à parler en public, par exemple. Tu n'as pas besoin. Je vais vous prendre un autre exemple parce que j'aime parler par l'exemple. Je suis à la base une personne très calme, vraiment hyper calme. J'aime rester seule, j'aime rester dans mon coin. Et un jour, j'ai une tata qui m'a dit, toi qui aimes rester calme là, tu peux même parler devant les gens un jour. Je lui ai dit, non, moi, c'est pas mon affaire. Et aujourd'hui, je suis en train de parler. Je ne sais pas combien de personnes sont en train de me suivre actuellement, mais je sais que je suis en train de parler à des gens qui, même s'ils ne me suivent pas maintenant, vont me suivre. Et aujourd'hui, elle est surprise. Beaucoup de personnes qui me connaissent réellement se demandent si c'est vraiment moi. Et bien sûr, c'est vraiment moi. Parce que tout s'apprend. Tu dois être capable d'enlever toutes ces barrières-là de ta tête et croire que c'est possible. C'est un peu comme si tu es devant un océan. Parce que nous devons nous considérer comme des océans sans limite. Tu ne connais, lorsque tu es devant, tu es sur la rive, tu ne connais pas la limite de l'océan que tu as en face de toi. Tu ne connais pas la limite et tu dois te considérer comme tel, que tu n'as pas de limite. Tu es unstoppable. Lorsque tu penses déjà que tu es unstoppable, ça veut dire que tu te donnes le pouvoir d'agir et d'avoir des résultats. Dernièrement, j'ai rencontré une femme chinoise avec laquelle je devais travailler sur un projet. Et elle m'a fait part de son histoire. Elle a tellement souffert dans son enfance. C'est là où j'ai compris que ce n'est pas parce qu'on est en Chine qu'on va se dire que les gens ne souffrent pas. Les gens souffrent énormément. Lorsqu'elle m'a parlé de son histoire, et j'ai pu voir la différence qu'il y a entre son histoire et la personne qu'elle est aujourd'hui, il n'y a pas photo. Elle vient d'une famille extrêmement pauvre, mais aujourd'hui, elle a pu fonder une école. Elle a tout un institut pour elle-même. Et elle me dit, Dassi, tu sais, ça n'a pas été facile. J'ai dû faire un tas de boulot dans ce dehors pour arriver au niveau où je suis. J'ai dû passer des nuits blanches et tout. Mais aujourd'hui, le jour où on s'est vu, c'était l'anniversaire de son papa, elle offrait un buffet de près de 5000 yens à sa famille. C'était un rêve qui était devenu réalité parce qu'ils ne parvenaient pas dans leur famille à mettre de la nourriture sur leur table. Mais aujourd'hui, grâce à elle, grâce à sa discipline, grâce à sa détermination, sa persévérance, elle a pu réaliser son rêve. Et aujourd'hui, sa famille, ses parents sont bien. Donc, nous devons être capables d'arriver à ce niveau où nous brûlons notre bateau. Et nous devons être capables d'être dans une position de vie ou de mort. Soit on gagne, soit on périt pour pouvoir réussir, pour pouvoir réaliser le rêve que nous voulons réaliser. Donc, c'est le cri que j'avais dans mon cœur aujourd'hui. C'est le message que je voulais vous passer aujourd'hui. J'ai fait ce live de façon spontanée, sans avertir. Et je crois que de temps en temps, very good, yeah. Neslin, Claudia dit, I'm unstoppable. Yes, you are unstoppable. Tu es sans limite. Tu es inarrêtable. Personne ne peut t'arrêter. C'est ça en fait. Donc, de temps en temps, lorsque j'ai un message que je pense que quelqu'un peut avoir besoin, je vais juste lancer le live et puis je vais laisser libre cours à mon imagination et puis ça va passer. Mon objectif, c'est de faire comprendre aux gens que c'est possible d'arriver là où ils veulent arriver. C'est possible de devenir la personne que tu veux. Tu as juste besoin d'avoir ce désir ardent qui brûle en toi, qui te brûle au point où tu dors
Tu te réveilles, c'est ça qui est dans ta tête. Oui. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'avais tellement envie de vous parler de ce désir-là. Et j'ai lancé le live. Donc, si vous avez des questions ou si vous avez, je sais pas, si vous voulez aller plus en profondeur, parce que j'entre plus en profondeur dans ces sujets-là avec les gens qui travaillent avec moi. Donc, si vous voulez entrer plus en profondeur, n'hésitez pas à me contacter et on va travailler là-dessus. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser là en commentaire et puis je vais vous répondre. Qui est là? Déjà, merci à toutes les personnes qui se sont connectées, qui sont en live avec moi. Nelly, Dumont, Nedem. Bonsoir à vous et merci d'être en live avec moi. Myriam, Rachel, Robert, Njoya, Claire et Neslin. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions ou si vous avez quelque chose à partager, vous pouvez me laisser cela en commentaire et puis on en parle. Je suis là. Je suis juste assise là dans mon salon et j'ai juste voulu passer ce message. Donc, si vous n'avez pas de questions, si vous n'avez pas de suggestions ou quoi que ce soit, je crois qu'on va s'arrêter là et on va faire un live peut-être dimanche ou oui, sûrement dimanche. Je crois que je vais faire un live dimanche. Donc, s'il n'y a pas de questions, je crois qu'on va s'arrêter là et puis on va se retrouver, on se retrouve au live que je ferai prochainement. Ok, je vous remercie et portez-vous bien. D'ici là, gardez surtout la positive attitude et soyez unstoppable, comme on dit en anglais. Bye bye!